Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, je vais vous parler du savon Speck. Allez, c'est parti. Point de vue présentation, vous voyez, il se présente comme ceci. Bon, celui-là a déjà été utilisé, hein, il m'a été prêté par mon ami Diego, merci à toi. C'est un savon relativement dur qui sent très très fort, je trouve, le savon, le citron, vraiment vraiment incroyable. Ouais, très dur, il sent très très fort le citron. Allez, on va le tester ensemble. Ok, allez. J'ai trempé mon savon, j'ai trempé mon blaireau. On va le monter et on va l'appliquer directement sur le visage. Donc c'est un savon qui sent, mais là, je suis en train de le monter. Il sent hyper, hyper, hyper bon, c'est un truc de fou. Ajouter un peu d'eau sur le blaireau quand même. Voilà. Ok. Voilà. J'ai pris assez de savon et je vais l'appliquer direct sur le visage. C'est parti. Franchement, première remarque que je peux faire, c'est qu'il fait une très très bonne mousse, mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez aérien, mais il fait une très très bonne mousse, j'aime bien. Par contre, il sent énormément la lime, enfin le citron. C'est super agréable. Pour le montage et l'application, pas trop de soucis. Il va très bien se marier avec un Aftershave style celui-là, voilà. Pinot Clubman, qui est très citronné aussi. Voilà, donc pour l'application, pas trop de soucis. Assez facile. J'ai récupéré vite fait le. J'ai pas eu besoin de prélever pendant longtemps le savon dans le pot. Il fait une belle mousse, bien compacte. Quand même un peu aérienne, mais ça ne me dérange pas trop. Ok, on va voir pour le rasage. Ok, allez, pour le rasage, je vais utiliser mon Parker avec une lame Fizer à l'intérieur. Allez, on va voir si ce savon protège bien la peau et glisse, et fait glisser bien la lame. Incroyable, ça laisse une glisse vraiment, vraiment incroyable. Et après, la lubrification, ça va. Mais par contre, il laisse. Ça protège vachement bien, en tout cas, moi je trouve.
avec cette odeur super agréable pendant qu'on se rase. Franchement, truc à base de citron. Je pensais pas que j'allais aimer autant. J'aime bien. Ouais, ça laisse quand même une bonne glisse, hein. Même après avoir enlevé le savon, ça laisse une bonne glisse. Ok. Franchement, nickel au niveau de la glisse. Il n'y a rien à dire. Ça a bien protégé le visage. Ok. Je finis mon rasage et je reviens après pour la conclusion. Ok. Alors, petit bilan pour ce savon. Franchement, une odeur super fraîche de citron. Pour ceux qui aiment cette odeur-là, sautez-y dessus, franchement, n'hésitez pas. Il fait une mousse assez facilement. Quand on le prélève, on n'a pas l'impression, ça mousse pas beaucoup, je trouve, ça fait pas une mousse très très présente. Par contre, une fois qu'on l'applique, du coup, ça remplit bien le visage et ça laisse une odeur vraiment super super agréable. Ok, alors comme d'hab, j'ai un compte Facebook, n'hésite pas à venir me demander en ami sur ce compte Facebook. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. N'hésite pas à lâcher des petits pouces bleus, ça me fait vraiment vraiment plaisir les petits pouces bleus. Ainsi que les commentaires, si tu as quelque chose à redire sur mes vidéos, laisse-moi des commentaires, ça me fait aussi très plaisir. Si t'es pas abonné, abonne-toi à ma vidéo et surtout partage ma vidéo. Allez, salut!